Et tu regardes les gardiens, c'est Massa, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour un petit vidéo tutoriel sur le fusion de la saison hein, qui s'appelle Calme d'Union. Je ne vous cache pas que je me suis énormément posé de questions sans savoir si j'allais réellement sortir cette vidéo car j'avais pris énormément de temps pour la sortir. Mais cette semaine, Bungie a ressorti le monde canon brûlé au niveau du PVP. Donc ça colle tout à fait par rapport à ce que j'avais fait pour pouvoir l'obtenir. Donc c'est pour ça que je me suis finalement décidé à le faire, donc je fais ce montage et j'espère que ça vous sera utile. Donc tout d'abord on va aller au niveau récupérer la quête hein. Donc pour ce faire on va aller à la tour et on va aller au niveau de Bungie 44. Allez, le temps d'arriver sur place et on voit ça ensemble. Voilà, nous sommes arrivés à la tour et donc nous allons aller voir Bungie 44 pour pouvoir récupérer la fameuse quête pour le fusion canon du calme du néant, pardon. Donc voilà, je vous laisse prendre connaissance hein, de la quête, hein, vous aurez tout le temps de le faire. Il nous suffit juste, nous, de notre côté, de la récupérer pour pouvoir la valider et pouvoir la faire effectivement. Donc une fois que vous avez récupéré la quête, hein, vous allez vous apercevoir qu'il y a deux parties en fait. Il y a une partie point que vous allez devoir faire avec des fusions et une partie barre d'activité. Donc en fonction du nombre d'activités que vous allez faire, ça va vous permettre de progresser plus vite. Et comme on peut le voir aussi dans le descriptif, les kills de fusion avec des fusions solaires vous permettent d'avancer plus vite. Donc de mon côté, la première semaine où c'est sorti, il y avait le mode canon brûlant au niveau du PVP. Donc j'ai décidé de le faire un petit peu. Et vous allez me dire pourquoi. C'est vrai que c'est pas un mode qui est spécialement emballant, enfin sauf si vous aimez ce type de mode bien sûr. Mais c'est surtout que les parties sont extrêmement rapides, hein, donc ce qui vous permet de progresser très rapidement au niveau de la partie activité. Par contre, la première partie pardon, que j'avais fait, j'avais pas équipé de fusion. Et c'est la petite astuce que je vous donne. Donc la petite astuce à connaître hein, que je n'avais pas utilisée lors de la première partie du mode PVP canon brûlant, c'est que il faut que vous ayez un fusion d'équipé. Hein, quel que soit le fusion, mais de préférence la fusion solaire, bien sûr, puisqu'on a vu au niveau de la quête que les frags au niveau fusion avec un fusion solaire par contre augmentent plus rapidement l'avancée de la quête, donc autant le faire. Donc vous avez trois solutions au niveau du fusion solaire en légendaire. Vous avez bien sûr celui-ci qui est l'apogée temporelle. Vous avez également le système ternaire qui s'obtient au niveau du gambit. Et vous avez un troisième que je ne peux pas vous présenter parce que j'avais pas des bonnes pertes, donc je ne l'ai pas conservé, mais qui est le coordonnée cartésienne. Un quatrième fusion, mais qui lui n'est pas légendaire et qui est exotique, va être éventuellement l'impitoyable, mais ce sera une fusion solaire, donc ça fonctionnera parfaitement. Et autrement, au pire des cas, vous auriez également le 1000 voix si jamais vous n'aviez que ça, ça fonctionnerait également. Donc il faut savoir, comme je disais, c'est que lorsque vous allez réaliser des frags avec votre canon brûlant, en fait, il va considérer que vous le réalisiez avec un fusion. Donc si vous avez un fusion solaire, ce sera bénéfique pour vous et ça vous permettra d'augmenter rapidement votre avancée au niveau de la quête. Voilà pour la petite astuce. Alors bien sûr, hein, vous n'avez pas des kills à faire avec votre fusion, mais juste à avoir un fusion équipé. Et comme j'ai pu le constater, une fois que j'ai eu ce fusion équipé, les frags ont compté beaucoup plus rapidement qu'auparavant. Donc on peut le voir, hein, et game pour la progression d'activité. Ça confirme bien que le mode canon brûlant vous permet d'avancer très rapidement. Une autre activité, bien sûr, est le gambit, hein, c'est ce que j'ai effectué également. Donc de la même façon, hein, pour le gambit, il est préférable que vous utilisiez des fusions solaires, hein, comme on va le voir ici. Donc cette fois-ci, pour le mode gambit, hein, je vous conseille d'utiliser deux fusions, hein. Donc on peut utiliser de toute façon l'apogée temporelle qu'on avait vu auparavant, donc au niveau de l'énergétique, vous pourriez utiliser l'un des trois autres que je vous avais présenté. Et surtout en lourde, je vous conseille d'utiliser le 1000 voix si vous l'avez, parce que vous allez voir, si vous mettez bien des détecteurs de munitions de fusion comme on a mis ici, et également sur vos bottes des récupérateurs de fusils à fusion, ce qui est très important, vous allez pouvoir récupérer des munitions à la fois vertes pour votre fusion énergétique et à la fois violette pour votre 1000 voix qui est en lourd. Donc ça vous permettra d'avoir plus de chances de faire des kills aux fusions, que ce soit avec votre fusion énergétique ou avec votre fusion lourd en l'occurrence. Alors l'avantage du gambit hein, par rapport aux assauts, bien sûr faut aimer le gambit quand même, je vais pas vous forcer à faire des choses que vous aimez pas, c'est que vous allez pouvoir cumuler deux choses. Vous allez déjà pouvoir faire énormément de kills entre guillemets avec votre fusion,
Et les parties sont quand même relativement rapides, ce qui vous permet d'avancer également assez rapidement dans la partie activité. Bon, bien sûr, vous avancerez moins vite dans la partie activité qu'en faisant des parties de canon brûlant PVP, mais par contre, vous allez progresser très rapidement au niveau des kills faits avec votre fusion. Et là, bon, en plus, je faisais mon contrat pour avoir les fragments de stase, donc je utilisais également la grenade pour figer les ennemis ou les ralentir plutôt pour pouvoir utiliser des kills aux fusions, mais bien sûr, c'était pas obligé. Et comme on peut le voir, ça avance beaucoup plus rapidement au niveau des frags avec le fusion, puisque je suis passé à 25%. Donc vous enchaînez, vous continuez d'enchaîner comme ça, là on est passé en quelques parties à 43%. Je décidais de reprendre du canon brûlant, c'était juste pour pouvoir augmenter en fait ma partie activité, parce que comme vous avez vu en fait, elle augmentait beaucoup plus rapidement que les frags, et de toute façon c'est tout à fait normal et relatif. N'oubliez pas d'utiliser et d'équiper surtout un fusion solaire lorsque vous faites vos parties de canon brûlant, parce que ça vous permet d'avoir vos frags au canon brûlant qui sont considérés comme étant des frags avec votre fusion. Donc bien sûr, vous enchaînez les parties que vous voulez, que ce soit donc du PVP, même du PVP normal ou du canon brûlant. L'avantage du canon brûlant, comme je vous disais, c'est qu'au niveau de l'activité, les parties sont relativement courtes et ça vous permet d'augmenter cette partie-là de façon très rapide. Mais de toute façon, pour le contrat, l'essentiel, c'est de faire des kills donc aux fusions, si possible aux fusions solaires, ça vous permet d'avancer plus vite. Donc que ce soit en PVP, que ce soit en gambit ou que ce soit en assaut. Bon, j'ai pas présenté la partie assaut parce que je trouvais que ça avançait moins vite que les deux autres modes. Et voilà, là, de toute façon, on va arriver bientôt à la fin de la partie et on va pouvoir constater que la partie activité a progressé correctement. Voilà, je suis passé donc à 69 et au niveau des points, on est passé à 90. Donc j'ai décidé de refaire une partie de Gambit. L'avantage, vous voyez, d'avoir le mille-voix, c'est que vous pouvez faire plusieurs kills avec un sortir de mille-voix, ce qui vous permet en fait d'avancer encore beaucoup plus rapidement au niveau de la progression de vos kills au fusion. Donc n'oubliez pas, si vous avez le mille-voix, je vous encourage très vivement à l'utiliser au niveau des kills, ça vous permet de faire plusieurs kills en une seule fois, donc vous maximisez votre avancée. Comme on peut le voir, là il me restait juste quelques kills et de l'activité, donc j'ai fini une autre partie de Gambit et c'était fini. Il me restait plus que les activités, donc j'ai fait quelques parties de PVP, donc canon brûlant surtout, ce qui me permettait d'avancer rapidement, donc j'alternais partie de PVP et partie de Gambit. Je ne vous ai pas présenté d'assaut durant ce tutoriel, non pas que j'aime pas les assauts, mais je trouvais que ça allait pas assez vite. Et pourtant, comme vous pouvez le constater, c'est lors d'une nuit noire en fait que j'ai finalisé l'ensemble des tâches de cette quête, puisqu'il me restait juste la partie activité, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, une fois le contrat terminé, il ne vous reste plus qu'à aller voir Punchy pour récupérer votre précieux. C'est ce qu'on va faire de ce pas, et le temps d'arriver sur place, nous voyons ça ensemble. Voilà, nous sommes arrivés à la cour et donc nous allons aller voir Bungie 44 pour récupérer notre fusion. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Voilà, la fusion sacrée. Donc le calme du néant, comme on l'avait vu auparavant. Donc, de toute façon, c'est des perks qui sont fixes, donc vous récupérez obligatoirement celui-ci. Allez, c'est parti. Donc on va quand même aller l'équiper tant qu'on y est. Donc voilà, vous allez l'avoir avec des perks fixes, comme j'indiquais. Vous aurez votre masterwork qui sera directement mise, puisque de toute façon c'est le pinnacle de la saison. Alors vous avez deux nouvelles perks, c'est intensification, c'est la perk qui est arrivée cette saison. Et vous avez également la salve accumulée qui s'apparente à peu près à la perk qu'on avait pour le question piège. Vous savez, c'était l'ancien fusion qu'on avait auparavant auprès de Bungie, enfin de Zavala, pardon, c'était Zavala qui nous le donnait à l'époque, mais qui est Sunset maintenant. Alors,
Certains d'entre vous s'arrêteront là, et pour d'autres, hein, ceux qui seront peut-être un peu plus courageux, car il faudra refaire pas mal de choses de ce type, et pourront équiper un ornement. Là, vous voyez, je peux pas mettre d'ornement, et on va aller faire le tour des différents PNJ afin de récupérer la quête pour pouvoir le faire. Donc, comme on est à côté, on va commencer par le Seigneur Shaxx, hein, Voilà l'une des meilleures. voilà, qui nous propose donc la quête. Il y a un peu de détails, vous voyez, on va devoir passer 3 rounds de courage et éliminer un certain nombre de gardiens pour pouvoir récupérer cet ornement qui est donc un ornement du PVP. Donc on va le récupérer, bien sûr. On va pouvoir faire la même chose auprès du commandant Zavala. Là, ça va être pareil, je pense que il va falloir qu'on fasse 3 nuits noires et puis il y aura un certain nombre de combattants à tuer pour pouvoir récupérer l'ornement qui va être l'ornement donc de l'avant-garde. Donc on va le récupérer bien sûr. Et enfin, il y a un troisième et dernier ornement qu'on va pouvoir récupérer et pour ça, on va aller directement au spawn du vagabond. Et le temps d'arriver sur place, on voit ça ensemble. Voilà, on est arrivé au spawn du vagabond et donc comme vous voyez il y a la petite quête qui s'affiche au-dessus de sa tête. Et donc on va récupérer notre troisième quête et dernière quête pour l'ornement. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y aura 7 parties de Gambit à faire et probablement un certain nombre de victoires dans le Gambit à faire. J'ai pas le chiffre exact à l'heure actuelle au moment où je tourne cette vidéo. Et donc vous aurez un ornement du type vert, donc du type Gambit. Donc on va le récupérer bien sûr. Et voilà. Donc une fois que vous aurez fini les quêtes, donc ces 3 quêtes là, vous pourrez équiper l'un des ornements selon votre préférence, donc soit celui du PVP, soit celui du Gambit ou soit celui de l'avant-garde. Voilà, au final, ça n'aura pas été très long pour faire les 3 contrats de la quête, hein, pour récupérer les ornements pour le fusion de la saison. Donc, on va aller les récupérer ensemble. Donc, chez le commandant Zavala, bien sûr, nous avons l'ornement pour l'avant-garde, hein, qui donne ceci au final. Hein. Donc, on va le récupérer. On va quand même aller voir ce que ça donne en vrai. Voilà, au final, ça donne ceci avec un petit côté, on va dire noir et orange, hein, mais aux couleurs de l'avant-garde. On va aller voir maintenant chez le Seigneur Shaxx pour la partie PVP. Bon, je vous cache pas que la partie PVP, pour moi, c'était la plus longue des 3. Hein. Dites-moi, vous n'avez pas peur des missions de l'avant-garde? Avez-vous peur de l'épreuve? Je la trouve plus stylée malgré tout que celle de l'avant-garde. Hein. Ouais, c'est un petit côté plus stylé, mais c'est après, c'est un avis personnel. Et on va aller récupérer le dernier qui est donc au vagabond. Le Gambit est toujours à la recherche de gardiennes. Ça vous tente? Voilà, donc c'est pareil, on va récupérer notre dernier donc. On va juste équiper pour la forme, hein, pour voir un peu mieux comment ça donne. Même si logiquement ça ne doit pas changer beaucoup de la partie qu'on a vue tout de suite. Et voilà. Donc après vous faites soit avec l'un des 3 ou soit vous gardez en fait celui d'origine. Hein. Là ça va être à vous de voir. Voilà, on arrive à la fin donc de ce tutoriel où comment obtenir le calme du néant et ainsi que les 3 ornements. Pour la partie PVE et Gambit, donc les assauts et le Gambit, je ne vous cache pas que ça a été plutôt rapide hein, parce que de souvenir au Gambit au niveau des kills, je devais avoir fini sur les 3 parties sur 7. Donc
qu'il me restait 4 parties à faire juste pour la forme. Sur les assauts, c'est pareil, j'avais fini les kills bien avant le nombre de nuits noires nécessaires. Bon, c'est la partie PVP qui m'a pris un peu plus de temps, mais bon, j'ai réussi quand même à m'en sortir. Pas de problème là-dessus. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair maintenant sur comment obtenir l'arme et comment obtenir les 3 ornements qui sont reliés à cette arme. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous sera utile, j'espère qu'elle vous aura été utile. Je remercie toutes les personnes qui auront regardé cette vidéo, toutes les personnes qui auront pris le temps de la regarder. Et sur ce, gardiennes et gardiens, je vous dis sayonara et prenez bien soin de votre spectre.